דף קג עמוד א', שבת, דוזיאם שפיטר, פאז' סנטרואה א', שם נובל משנה הכותב, שקור להצלחת ולרפואת כל חולי עם ישראל בכללם, לחולים בידי בידי סודין, ניסים הסודין, אבי שמואל בן דיבה, יצחק בן אסתר, מרדכי בן שרה הכהן, יוסי בן דידיה, וסופי יופי בת לאה, אלכסנדרה אסתר בת לונה פטריסיה, נועמי אווה בת לונה, סילביה בת שימי, שמחה, אמזל בת זהב. זהו. גם יצחק בן רבקה. יצחק בן רבקה. ומשה בן צורי. יצחק לא מריד לו רבקה, בא בן רבקה. ובא רבקה. בא רבקה. משה בן סולטנו. כן. שרפת וית למשנה, הכותב שתי אותיות, בין בי מינו ובין בי שמאלו, שולי כקרי דו לטר, שסוע וקלמן דרועת וקלמן גוש, בין משם אחד בין משתי שמות, שסוע למם לטר, פר אקזמפ, דו פועל הלטר א', deux fois la lettre bête. Okay. Ou bien deux lettres différentes. Aleph bête, Aleph guimel, Dalet guimel, Bechenazad. Ben Michté Sammaniot, avec deux différentes encres. Une violette et l'autre bleue. Une rouge. et une bleue. בכל לשון, en toute lettre également, en toute langue, חייב, le חייב קורבן חטאת. אמר רבי יוסי, רבי יוסי די לא חייבו שתי אותיות אלא משום רושם. ונה, condamner à Hiyub Hatat dans le cas de l'écriture comme Mishum Roshem à cause de la Rishima, c'est-à-dire une trace, faire une trace, laisser une trace, une marque, Roshem, une marque. C'est le Av Melacha. Oui. Roshem et le Av. Kotev, c'est Av. Ah, Kotev. Kotev, c'est Av. Alors, il dit, si on a condamné Mishum Hatat, Ken Hatat, c'est à cause de Roshem, c'est-à-dire on faisait une marque distinctive pour pouvoir connaître la planche qui va avec sa voisine, avec l'autre. Donc on mettait deux lettres ou deux marques dans une planche, soit une marque dans une planche et l'autre marque dans la deuxième. Rabbi Yehuda, Shikach Kotmina Karsham Mishkan, Eda Ezo Vinzugo, car ainsi, on écrivait sur les planches du Mishkan pour reconnaître la Benzugo, c'est-à-dire la planche qui se mariait avec la précédente. Amar Rabbi Yehuda,
רבי יהודה דים מצינו שם קטן משם גדול. נתרובה אין שם, אנו, לבריביה שום דנו, משום לשם גדול, ונון דנון גרון. פר אקזמפל, ז'ווה דיר, אברהם, אב דו אברהם, ושולה כי ידי אבי, שפל אבי, אברהם, וביאם, שם משמואל, שם ושימון, נוח מן נחור, נוח כי דריב דו נחור, ודן דו דניאל, וגד דו גדיאל. אלור סבא, באה לגמרא. בשלמה הימין לחייב משום דדר כתיבה בכך. ידי כזכון נדי, או נדי הכותב, בין בימינו שתי אותיות, בין בימינו, בין בשמאלו. שולי כי אקרי דולת, ססו אבק סמן רוות, וססו אבק לגוש, חייב. סבא, זה סזק. קונדי דון למשנה, בעל הגמרא ידי בשלמה שביל דקור אבק תואר. הימין לחייב, שיהיה לקרי אבק סמן רוות, כיסו חייב, וכוה משום דדר כתיבה בכך. שאינסיקו נקרי או נקרי אבק סמן רוות. במניר נקרי. הסמול, המאי, די סיסי אנרואטיה, כי הקריאה בקלמן גוש, המאי פוקוואט של קונדן, האנדר כתיבה בכך. נקריפה קונדן. אינסיקו לקריא. בלמניר נורמל. סבא, לקריטור נורמל, שהבקלמן רואט, פור אנרואטיה. S'il écrit avec la gauche, il a changé. Si elle a changé, ce n'est pas directive avec A. Ce n'est pas ainsi qu'on écrit. Et donc, il ne doit pas être Hayab. Pourquoi tu mets Hayab auto? C'est ça la question. On parle d'un droitier. Qui avec l'autre? Radi, Bishlama, je suis d'accord avec toi. Quand il écrit avec la main droite, il est hayab. Pourquoi? Parce que c'est derech activa beka. Le derech de l'activa, c'est ainsi. Tandis que si il écrit avec la main gauche, un derech activa beka. Amai, alors pourquoi tu vas être mehayab auto? Amar Rabbi Ermiya, be itariyad shanu. De quoi on parle? On parle d'un gaucher. Itériad. Quand la Mishnah dit bismolo, ben bimino, ben bismolo, faut comprendre comme ça. Celui qui écrit avec la main droite, parce qu'il est droitier, il est hayab. Celui qui est gaucher, qui écrit avec la gauche, il est hayab aussi. Hayab aussi, parce que directiva bekar, c'est comme ça qu'il écrit. Machma, que si il était droitier et il écrit avec la main gauche, il serait. Pas tout. Si il est gaucher, il écrit avec la main droite. Pas tout encore. La main droite à lui devient la gauche. Contre son habitude, pas tout. Okay. Qu'est-ce qu'on fait avec un ambidexte? Pourquoi? Celui qui peut écrire de la droite et la gauche. On va arriver à l'ambidexte. Ah, ok. Pourquoi je ne l'écoute pas? Ok, on va attendre. C'est évident qu'il va être dans le. C'est évident qu'il va être dans le Issour. Ok.
qu'il écrive de la main gauche ou de la main droite. Non, ma belle-fille, elle écrit sur le tableau quand elle enseignait avec la main droite et la main gauche en même temps. Et avec la main droite et avec la main gauche en même temps. Magnifique. Ça, c'est un bon ambidextre. Mais Shabbat, elle serait un problème. Elle aurait un problème, Shabbat. Il y aurait un double problème. Double problème, exactement. Oui. Alors, elle dit Vitihvi, Smol Dide, Kimin de Kolealma. Voilà. Il dit pour le gaucher, Vitihvi Smol, il pose la question que sa gauche sera comme la droite de tout le monde, Vitihvi Smol. Quand il écrit avec la main gauche, qui pour lui maintenant devient une main droite, qu'il soit Hayav, Ayamin, l'Ole Hayav, tandis que pour la main droite, il ne doit pas être Mehayav. Ça veut dire, quand c'est un droitier qui écrit avec la main gauche, on a posé la question, pourquoi tu veux qu'il soit Hayav? Ce n'est pas ainsi qu'il faut qu'il écrit. Elle dit, on a parlé de Iteriad. Iteriad, c'est-à-dire celui qui écrit avec la main gauche seulement. Alors, celui qui écrit avec la main gauche, là aussi, je pose la question que sa main gauche soit considérée comme la main droite de tout le monde. Et alors, s'il écrit avec la main gauche, il est Hayav. S'il écrit avec la main droite, par laquelle il n'a pas l'habitude d'écrire. Batour. Bah, Rav Yaakov, Bere de Bat Yaakov. Rav Yaakov, le fils de la fille de Rav Yaakov. Comment vous comprenez ça? Il a un rabbayé. Comment? C'est parce que ici le commentaire dit que parce qu'il n'était pas, il n'en était pas digne. Le père de Rabbi Yaakov n'a pas été mentionné comme d'ordinaire parce qu'il n'en était pas digne, d'après Rashi. Voilà. C'est-à-dire on n'a pas voulu le mentionner parce que ce n'était pas Rashi. Ouais. Mentionné sur le père de sa mère. Mm-hmm. Sa mère était la fille de fille, le fils de la fille. Ouais. Alors, Rav Yaakov, le fils de Rabbi, de la fille de Rabbi Yaakov. La fille de Yaakov. C'était très à cheval sur ses nuances. Amar Abaye. Abaye donne ça, la raison pourquoi on a dit Ben Bimino, Ben Bissumolo, il est Hayab. Il dit Zébé Cholet Vichete Adam. On parle de qui? On parle de celui qui est ambidextre. Ambidextre. Il peut écrire des deux mains. La possibilité d'écrire avec la main droite et la possibilité d'écrire avec la main gauche. Alors celui-là, qu'il écrive avec la main droite, qu'il écrive avec la main gauche, il est... Il y a sur les deux. Il est Khayev. Parce que son écriture, la main gauche est la même
Il a deux mains droites, d'après le langage de l'Agmara. Comment? Il a deux mains droites, d'après le langage de l'Agmara. Voilà. Est-ce qu'un ambidex, il est né ambidex ou il devient ambidex? On peut pratiquer et écrire de la main gauche si on veut. On peut pratiquer jusqu'à ce qu'on arrive. Alors, pratique. Excellente réponse, Rabbi. Excellent. On va voir ce qui va arriver. Ok. Dans le temps, il y avait des éducateurs, pas des éducateurs. Il fallait les éduquer à ces éducateurs qui attachaient le gaucher, qui lui attachaient le bras pour l'obliger à écrire avec la main droite. Et c'est mauvais. Parce que ce qui se passe, celui qui est gaucher, il reçoit tous les ordres de la partie droite du cerveau. Celui qui est droitier, il reçoit les ordres de la partie gauche du cerveau. Et c'est pour cela qu'on trouve que certains gauchers sont plus intelligents, plus performants que les droitiers. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé l'hémisphère droite du cerveau. C'est de là que vient leur... Quand vous levez le bras gauche, c'est la partie droite du cerveau qui a donné l'ordre à notre bras de se lever. Quand vous levez le bras droit, c'est la partie, l'hémisphère gauche qui lui donne le... Zach, wow, magnifique. Rabbi, est-ce que dans la Torah, un Kohen gaucher n'est pas considéré comme un moum pour lui? C'est pas considéré un moum, un gaucher? C'est pas un moum, mais ce n'est pas du tout moum latif. C'est pas conforme. Et c'est pas recommandé. Ouais. À ce que le Kohen soit shohet, parce que pour être shohet avec la main gauche, c'est un petit peu tordu. Ouais. Mais il y a des shohatim. Il y a toutes sortes de choses que l'on fait avec la main gauche. On ne peut pas faire avec la main droite. Avec la même aisance que la main droite. Hein? Voilà, je trouve que les gauchers, véritablement gauchers qui écrivent, ils écrivent à l'envers. Les véritables gauchers, c'est celui qui écrit comme ça. Comme ça. Pas celui qui écrit comme ça. Celui qui écrit comme ça, c'est simple. Il est comme le droitier, mais le gaucher, il fait de telle sorte. Comme ça, il écrit. Il avance. Ça doit être bien plus fatigant même, non? Ce n'est pas fatigant pour eux. Pas pour lui, ok. Parce qu'ils ont... L'habitude. Ils ont la pratique. Ils ont pris la pratique. Ils sont plus intelligents. Ils sont plus intelligents, ils sont plus performants que les droitiers. Albert, qu'est-ce que tu veux savoir davantage? Ah, c'est extraordinaire, j'ai eu mes réponses, très bonnes réponses. Quoi la kavod, Rabbi? La kavod, quoi la kavod à la science? Nous a appris cela. Moshe, Aïef,
לא עייף. ג'רום, voulez parler? Voulez dire quelque chose? Non, non, monsieur Rabin. Non, non, j'avais un problème avec l'écran. Excusez-moi. Ah. Donc, on est passé. Vous voyez, là, on a posé la question. Yamine, s'il écrit avec Yamine, je peux comprendre pourquoi il est hayab. Mais pour la gauche, pourquoi il serait hayab, ce n'est pas derecha, qui t'y va baiser. Pas comme ça qu'on écrit. Alors, première réponse, on a dit non, parce qu'il écrit avec la main gauche. Et de quoi on parle? On parle de celui qui écrit avec la main gauche. On lui a posé la question. Que celui qui est gaucher soit considéré, sa gauche soit considérée comme la droite de tout autre. Et quand il écrit avec la main gauche, il est hayab. Quand il écrit avec la main droite, il serait... Baba, il dit non, la Mishnah nous parle ben bimino, ben bismolo, de celui qui est sholet bishteyada, de celui qui a le pouvoir d'écrire avec les deux mains, l'ambidextre. C'est pour cela que la Mishnah a dit ben bimino, ben bismolo. Celui-là, qui l'écrit avec sa main droite ou avec sa main gauche, c'est la même chose pour lui, puisqu'il a la maîtrise de ses deux mains. Barabi Yaakov, le fils de Rabbi Yaakov, de la fille de Rabbi Yaakov, Ken, Amar Hamani, Rabbi Yossi-hi. De qui on parle? Ça, c'est Rabbi aussi. Rabbi aussi, il dit quoi? Il nous a dit dans la Mishnah, vous vous souvenez, Kolaktiva, pourquoi on a interdit l'aktiva? Pourquoi il est Roshem? Roshem, c'est-à-dire, Roshem, il fait marque. Une marque. Or, une marque avec la main gauche ou avec la main droite, c'est la même chose. Il ne s'agit pas d'être, de maîtriser la main droite et la main gauche. Il s'agit de faire une marque. Or, une marque peut se faire avec la main droite comme elle peut se faire avec la main gauche. Pourquoi une marque? Juste un trait? Parce qu'on parle de deux lettres toujours. Une marque, ce n'est pas seulement un trait. Ça peut être la lettre elle-même. Non, il peut faire toutes sortes de dessins. Avant d'écrire la lettre, peut-être. Ce qui fait que pour Rabbi aussi, on n'a pas ce problème qu'on a dit au départ. Ah, il écrit avec la main droite, il serait hayab. Il écrit avec la main gauche, il ne serait pas hayab. Et alors, on a parlé du gaucher. Ah, le gaucher, serait hayab quand il écrit avec la main gauche. Quand il écrit avec la main droite, il ne serait pas hayab. Pas tout. Abaye, non, les deux, il maîtrise les deux. Parmi aussi, il te dit non. Moi, je dis Mishum Roshem. Maintenant que c'est Mishum Roshem, quand il fait une marque avec la main gauche, il est hayav. Quand il fait une marque avec la main droite, il est hayav. Et le kotev lui-même, c'est Mishum Roshem. L'activa, c'est quoi? C'est un rishima. Il laisse une trace. Il laisse une marque. Voilà, Gmara, c'est très bien. Mais Rabbi aussi. Rabbi aussi est venu après avoir entendu le Tanakama. Et le Tanakama, il a dit à côté Ben Bimino, Ben Bismolo, Hayab. Et ça va. Et Rabbi aussi est venu Kol
כל כתיבה לא חייבו אותה, אין להם שום רשימה. הכל זה יודע, את רושם. הלא ידידי, והם ידידי ספר רבי יוסי, היא פיסקו רבי יוסי, ונו, נודיר, דוקוי סג'י, c'est Roshem, Kotev, c'est Roshem. Il est venu dans le sauf de la Mishnah. Mais je crois que le début de la Mishnah, c'est une autre opinion. Et Rabbi aussi, il est cholèque sur cette opinion. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? L'ohiyevu à Kotev, c'était otiot et la Mishum Roshem. Ça veut dire que tu montres par là que Tanakama et Rabbi aussi sont les mêmes. Est-ce que je me fais comprendre? Doudou? Non, Rabbi. Non. Je te vois. C'est ça, j'essaie de voir parce qu'il dit Ami de Sefa. Le Sefa, c'est la deuxième partie de la Mishnah. Parce qu'on a oui, mais quel, de quel on parle? De quel on parle? Il dit, Rabbi aussi, il dit, Mishum Roshem. Ça veut dire que ce soit Ben Bismolo, Ben Bemilo, il est. Il s'est Hayav. Il va être Hayav. Alors il lui dit, mais celui qui dit à Kotev, avant Rabbi aussi, n'est pas d'accord avec Rabbi aussi. Non. S'il a Risha, n'est-ce pas, est différente de la Sefa, et on a dit dans la Sefa Rabbi aussi. Mashma que la Risha n'est pas Rabbi aussi. C'est sûr qu'elle n'est pas Rabbi aussi. Ils se contredisent. Ah, voilà. Alors il lui a dit non. Tout est Rabbi aussi. Ah. Il dit là, que la Rabbi aussi, même Tana Kama qui dit à côté, c'est Rabbi aussi. Et qui le dit? Qui le dit? Et pourquoi il dit Ben Bimino, Ben Bismolo? Parce que tout le Hiyul de Kotev, Mishuma, Mishum Roshem, toute l'explication du Kotev, c'est Mishum Roshem. Maintenant qu'il est Roshem, c'est simple, c'est facile pour lui avec la main gauche de faire le Rishima. Autre femme, faut dire oui. Kotev Mishum Roshem, c'est ça ce que je. Bah, Rabbi aussi. L'enseignement de Rabbi Yaakov, le fils de Bat Rabbi Yaakov. Il a dit. I'm money. Même Rabbi aussi. C'est ma chère Amar. Il dit Hamani Rabbi aussi. C'est qui la Mishnah, c'est Rabbi aussi. Pourquoi? Parce qu'il dit de Amar, parce qu'il a dit Lohiyevu Hakotesh Teotiot, ils n'ont pas était Mechayevim, celui qui écrit Shteotiot, Ella Mishum Roshem. Roshem. Mishum Roshem. Alors ça veut dire que Mishum. Ce qu'on a dit à côté Ken, c'est Rabbi aussi. Puisque à la fin, quand il dit Lohiyevu à côté Ella Mishum Roshem, bah, la Gemara, elle lui dit, tu ne peux pas dire cela. Si Rabbi aussi qui est dans la Sefa, on a dit Rabbi aussi Omer. La Reisha, la première partie de la Mishnah, n'est pas Rabbi aussi. Puisque Rabbi aussi, il vient, il est Cholek. Sur la partie d'en haut, la Reisha.
sur la partie de la Risha, le début de la Risha. Tanakama. Bah, il répond, il dit non, Kula Rabbi aussi. Toute la Mishnah, c'est Rabbi aussi. Ok, donc, mais il n'est pas, pas formulé d'une façon qu'on comprend que c'est Rabbi aussi. Et comment Rabbi aussi va justifier ça? Rabbi Saba, la Récha, elle ne parle pas de la prochaine. Attends. Oui. Il ne faut pas rentrer dans les paroles de l'autre. Ça veut dire que c'est Rabbi aussi qui dit à côté Fchete Otiot. Oui. Et ensuite, il ajoute encore plus d'informations. Non, il explique. Il explique la différence. Et pourquoi à côté, il est Hayav? Il est Hayav Mishum Roshem. C'est pour cela que je t'ai dit que ce soit avec la main droite ou avec la main gauche, parce que c'est facile de faire le schéma avec la main gauche. Oui. Ça va? Il est Hayav. Abraham. Non, je voulais rien que dire que Rabbi Yossi parle de Roshem, de faire des petites marques. Est-ce qu'on apprend que c'est lui aussi qui dit la Récha? Parce que si tu dis Rochem, c'est sûr que tu dis une Ktiva complète. Alors c'est le même auteur, c'est ça? C'est comme ça qu'on déduit ça? Si lui dit c'est Rochem, Rabbi Yossi dit c'est Mishum Rochem, comment il dit là? Lo Chayevu Shete Otiot et la Mishum Rochem. Alors Rochem, c'est des petites marques, des petites lignes. Ce n'est pas une lettre complète. Si ça, c'est il est chayav là, alors c'est sûr qu'il est chayav Mishum Ktiva, une lettre complète. Dis-moi, est-ce que c'est comme ça qu'on sait que c'est le même auteur? Dis-moi, quand tu écris Kouf et quand tu écris Yud, Yud c'est une petite et Kouf c'est une grande. Oui. Oui, non? Oui. Yud, c'est une petite, il y a un petit une point. Petite marque, une grande marque, c'est la même chose. Mais on sait que c'était clairement que Rabbi Yossi de Amar, Lo Chayevu Shete Otiot, Ela Mishum Roshem. Ça, on sait clair. C'est écrit. Mais la Récha, on ne sait pas qui c'est l'auteur de la Récha. On vient de l'apprendre, c'est Rabbi Yossi. On dit que c'est Rabbi Yossi. C'est ça. Et comment on a déduit que c'est Rabbi Yossi? Il te dit, à côté, comment il a dit dans la formulation de la parole de Rabbi Yossi, « L'ohiyez-vous à côté, j'te otiot » Ils n'ont rendu coupable et passible d'apporter un hatat, un korban hatat à celui qui a écrit deux otiot, et là seulement mishum roshem, à cause de l'impression qu'il laisse. L'écriture, c'est une impression. Ah, okay. C'est pour cela qu'on dit une imprimerie, l'impression. Il fait une bonne ou mauvaise impression. Ok, c'est bon. Heureusement que vous avez compris. Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, Matsinu. Nous avons trouvé Shem Katan, Shem Gadol. Et qu'est-ce qu'il a dit? Par exemple, Shem Mishimon. Noah Minahor. Gad de Gadiel. C'est-à-dire deux lettres qui sont différentes. Deux lettres qui sont différentes. Pas deux lettres qui sont les mêmes. Ella Rabbi Yehuda Shtei Otiyot Ve'en Shnei Shemot Yehudim Hayev. Ella, c'est-à-dire selon ce que j'ai appris dans la Mishnah, c'est lorsque Shtei Otiyot
les deux lettres du sont Mishneh, Mishneh Shemot, par exemple Aleph et Bet pour Av, ou Shin et Mem, ou Nun et Het. Ce sont deux Shemot, c'est-à-dire Ela Rabbi Yehuda. Seulement Rabbi Yehuda, quand il a dit Shte Shem Shem, ça veut dire que Shte Otiot, que la Mishnah a dit, il est Haya quand il écrit Shte Otiot, c'est lorsque ces Shte Otiot sont Shne Shemot, ils sont deux lettres différentes, deux noms différents de lettres. Ça va Aleph Bet. Ken Dan Dalet Nun. C'est pas Aleph Aleph, Bet Bet. C'est-à-dire deux lettres qui sont de la même. C'est ça, pas la même taille. La taille n'a rien à voir là-dedans. De la différente, c'est tout. Il y a le Yud qui est petit. Et le couf qui est grand ou le lamed qui est grand, c'est la même chose, ça a la même valeur. S'il écrit li, il est hayav. S'il écrit ki ou yak, il est hayav. Ou dimhayev, shte otiot ven shem echad, lo. Mais si il écrit deux otiot, par exemple aleph, aleph, qui sont Mishem Echad, le même nom de lettre, ou Gimel Gimel, ça a un sens gag. Dad, dad, n'est-ce pas une mamelle? Je crois que ce n'est pas Hayab. Il faut que ça soit Shte Otiot, Mishte Shemot. Ah ben, si j'ai Shte Otiot Mishem Echad, selon Rabbi Yehuda. C'est ça la conclusion que j'aurais pu tirer. Alors, la question, la Mechayev, c'est ça, non? La Mechayev. Non, la question va venir. Behatania. Quand est-ce que elle, Rabbi Yehuda, quand est-ce qu'il est Mechayev, Shte Otiot, quand c'est Shte Otiot, son Mishne, Shemot, Aval Shte Otiot, Mishem, Echad, qui sont les mêmes, Aleph, Aleph, Bet, Bet. Chantou. Ken. La Mechayev, il ne serait pas du tout prêt à le condamner à porter un Hatat. Mais alors, Véatania. ועשה אחת מכל אלה, ועשה אחת. אחת. אחת, כסביר אחת. אין, סביר. הוא יכול להשכתוב כל השם. יש כה, אלה חייב סולמון קונטי לקרי שמעון אוננטיה, אבל שי לקרי שם. וביה, שי ליהנון קונסה. Ça sonne Vishimha. Il écrit Shin Shin. Ça peut faire Shesh. Quand il écrit Shem Shimon, parce que c'est Shem, Shin et Mem, c'est différent de Shtemot. Il est Hayab. Mais si c'est Shte Otiot, Mishem Echad, comme ça sonne, Sam Sin Sin, il ne serait pas Hayab. Véatania, la Braïta dit, Véasa Achat, Yachola Tchirto Kola Shem, Véachero Kola Beged. Se peut-il qu'il ne serait Hayab que lorsque il va écrire tout le nom Sasson, ou bien tout le nom Daniel? Jusqu'à ce qu'il fasse, qu'il tisse tout le tissu. Vêtements.
כן, תו לבית מה. ועד שיעשה כל הנפה, שוסקס כלפס תו לתמי. תמי. סבא? תלמוד לומר מאחת, ועשה מאחת, יעשה אחת, ועשה מאחת. מאחת סבדיר אפילו אין פרטי. Même s'il n'a pas tout complété. Une partie. Par exemple, ça sonne sin-sin, il manque bab-noun, c'est bon. Alors, imé-achat. C'est... Je vais aller un peu vite. Mais je vais reprendre demain parce que... Si c'est Achat, il y a quoi la filou, le katab et la haute Achat. Une seule lettre. Maintenant, tu me dis deux. Mais si c'est une seule lettre, le harag et la hout, il n'a tissé qu'un seul fil. ולא עשה אלא בית אחד בנפה, il n'a fait qu'une ranchée dans נפה, dans le tamis. תלמוד לומר, c'est pour cela que le verset continue, on passe à coupe guimel, עמוד בית. תלמוד לומר, אחת. C'est אחת que c'est écrit dans la Torah, pas mais אחת. Non, ועשה אחת. Et ça change tout. Haketzad en lo hayav shechtov shem katan mishem gadol. Il est hayav que lorsque il écrit un shem katan mishem gadol. Comme par exemple shem mishimon, shem de Shimon. הוא שם דשמואל, נוח מנחור, דן מדניאל, גד מגדיאל. רבי יהודה אומר אפילו, לא כתב אלא שתי אותיות והן שם אחד חייב. רבי יהודה אלדי, מם סילה הקריא. דו לטר, כשון למם, משם אחד, וממנו. כן, עם דובלה לטר, כמו פרקזם, סס, תת, רר, גג, חח, אישורי חייב. אמר רבי יוסי, וכי משום כותב הוא חייב, השכילי חייב בחקור אילי קרי, כן, והלא אינו חייב אלא משום רושם. אילי חייב פסקו אילה. מרקה. מרקה. משום רושם, כאילו סווה רושם. אין שם דו אותיות דיפרנט. כסווה רושם דו רשימות. כסון למם, אילי מתחייב, שלום רבי יושי. אלא משום רושם שכן רושמין, על קרשי המשכן אנשי הוא מרקה שור לפלנש המשכן לידע פורקונט איזוהי בן זוגו לכל אלמם לכן שרת שריטה אחת השני נסרים או שתי שריטות על נסר אחד חייב Vous voyez, s'il a fait un signe srita sur deux planches, une srita achat, un trait sur deux planches, c'est comme s'il avait mis un trait dans chaque planche. Il est hayab. Rabotai, on va faire la chute. On va revenir là-dessus demain. Mais attention, parce que j'ai voulu avancer pour ne pas
arrêté en plein. Merci Rabbi. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.